Bonjour, bonjour à toutes, comment il est? Bon lundi Azote, j'espère que le week-end a bien passé, que vous allez en pleine forme pour attaquer cette nouvelle semaine qui arrive, qui pointe son nez là bien comme qu'il faut. Et puis, mes saluts aussi des personnes là, que les connectées sur notre bande réseau, sur la télévision et puis sur les autres réseaux que vous autres y suivent à nous. Mes autres, tiens beau, serré, largue pas. Nous, on est parti ce matin avec l'actualité. L'actualité, ben, comme il commence toujours l'actualité du lundi avec les relevés de la police, la gendarmerie, tout cela sur les infractions, comme d'habitude. Hein, on a l'habitude maintenant d'entendre ça le lundi matin et aussi dans les jours de semaine aussi. Nous parlons de ça. Peut-être un petit piqueur de rappel pour vous autres là sur la circulation de routière et puis des autres sur la route pour certains. Il fait pas n'importe quoi et il faut prendre son mal en patience quand vous allez dans les embouteillages ou sinon ça quand vous allez les presser, ben faut pas trop aller trop vite, un petit doucement. Si doucement, ça va arriver sûrement. Et pour ne pas être pris avec les gendarmes et retrouver les autres dans des situations assez cocasses, hein, donc avec des pètes de PMI, tout ça, ou sinon ça, des points sur les autres, PMI. Alors, nous, on est parti avec ce week-end du 9 au 11 septembre 2022, avec quand même 577 infractions qui ont été constatées par les gendarmes et aussi les gendarmes qui relèvent 203, 15 conduites sous les stupéfiants, hein, sous la drogue, les amals, l'alcool, tout ça là. Et puis la police lui fait 374 infractions, hein, que lui relève, hein, 23 délits, 173 excès de vitesse, 114 excès de vitesse qui a été relevé en 3 jours quand même. Donc en règle générale, c'est les gendarmes, la police a détrôné les gendarmes parce que les gendarmes d'habitude de ces autres qui fait plus de contrôle, les autres y arrêtent plus des personnes sur la route, hein, donc là la police ça passe devant et va gagner, chacun la gagne un peu cette part du gâteau comme il dit, voilà. Et puis pour ces excès de vitesse, 114 quand même, là c'est conséquent quand même. Et puis les autres affaires, c'est des affaires bêtes, hein, qui fait attrape aux autres, hein, le téléphone au volant depuis des années, des autres interdits, ben, de monitier toujours. Après, on est dans le défaut de ceinture, c'est une affaire que, bon, ben, ça aussi devrait plus exister non plus, hein. Les gens, ils doivent rentrer dans notre loto et mettre notre ceinture directement, mais malheureusement, nous voit que les affaires, ben, ils se passent pas comme ça. Donc, je te fais rattraper. Et c'est des amendes quand même qui ça va dans les caisses de l'État. Et c'est aussi des gens qui retrouvent les autres dans une misère encore plus encore. Quand on travaille, on a un petit salaire ou un crédit sur l'auto et il faut prendre l'auto pour y travailler, il faut payer d'autre l'auto, ben là, c'est compliqué. Hein. Donc, voilà un peu. À moins que ça t'y conduit l'auto au moment que l'auto papa, la prend ce problème-là, ben, ça n'a plus de PMI, je te reste la case, on va repasser après. Hein. Donc, voilà le pour les affaires. Nous fermons ce parenthèse là-dessus et nous ça va avec une affaire que la semaine dernière on en parlait beaucoup et dans le journal l'a parlé un tarcon encore. C'est l'assassinat de Dominique Talbot, hein, le suspect numéro 1 qui a été placé en détention, interpellé vendredi par les gendarmes du GIGN. Donc il a été mis en cause, a été déféré dimanche devant la procureure de la République de Saint-Pierre pour mise en examen pour assassinat et vol. Le principal suspect vient d'être placé juste en détention provisoire, hein, donc pour ces affaires-là. Mais malheureusement, c'est pas mal de choses qui arrivent. Hein. Bon, nous c'est un bon ce vendredi après des jours d'audition, de regroupement, d'investigation assez minutieuse dans l'entourage de Dominique Talbot, victime d'une arme blanche, un coup de couteau, hein, donc mortel à son domicile le samedi 3 septembre dernier. L'étau l'a refait mal sur autour d'un boug, hein, avec l'aide des gendarmes spécialisés dans cette affaire-là. Le suspect numéro 1, il a été interpellé vendredi après-midi, hein, donc on n'a pas pu cause avec Zod parce que le dernier journal vendredi avec nous, c'est vendredi matin 6h. Vendredi après-midi aux environs du tampon, donc elle a été conduite dans les locaux de la brigade de recherche de la Redoute. Là-bas, il a été placé en garde à vue et il a été entendu dimanche et à l'issue de 48 heures réglementaires en matière de criminel, lui a été présenté au parquet de Saint-Pierre, donc et au juge d'instruction chargé de l'information judiciaire. Il a été écroué, donc voilà, une affaire. D'après ce que Manaï dit à nous là, c'est un toxicomane, hein, c'est un polytoxicomane, c'est quelqu'un qui est vraiment atteint. Il est âgé d'une vingtaine d'années, il était au domicile de la sexagénaire, hein, qui était apporté à lui son soutien.
Et apparemment, les histoires l'ont mal tourné par rapport à une crise de manque. Hein, donc, il aurait commis l'irréparable. Et il n'a aussi aucun souvenir de cette histoire-là. Donc, en toute logique, ben voilà, le cabinet du juge de liberté et de détention, bon, voilà, écrou a lieu à la maison d'arrêt de Saint-Pierre. Le fléau de l'alcool, le fléau de la drogue, vous êtes, tu vois, quand ça y arrive, nous voit ça un peu partout, ben, dans, pas rien qu'à La Réunion, il y en a ça, hein, aussi dans les autres, partout ailleurs, hein, l'alcool, la drogue, tout ça là, il amène des fois à créer l'irréparable, surtout sur les romans ou les machins. Et puis il faut faire aide azote, quand on est dans les problèmes d'alcoolisme, il faut aide azote, et puis faut faire aide azote, hein, mais rare c'est que les personnes qui veulent faire aide azote, hein, la plupart du temps, maintenant, IHF reste dans les affaires, et les institutions que les sur place, ben, à part que donne azote des conseils, à part que cause avec azote, essaye de donner un soutien, apporte azote un soutien moral, sans plus, hein, donc les personnes, ils retournent, si une personne est dans la rue, ben, ils retournent à la rue, et puis il finit, hein, donc son canard est noir, comme il dit, hein, donc voilà. Et nous, les partis aussi, là, on a beaucoup d'actualités concernant la gendarmerie, les contrôles, tout ça, dans ce causé la réunion de ce matin-là, de ce lundi matin, hein, des contrôles dans les transports en commun, la gendarmerie a saisi des armes blanches, une brigade militaire spécifique qui intervient dans les cars et dans les gares routières, hein, un petit peu de temps, on va aller la mettre ça en place, pour sécuriser les points d'arrêt et les déplacements. Jeudi dernier, 8 septembre, 44 lignes ont été contrôlées. Le 8 septembre 2022, de 8h à 20h, la BMS a mené plusieurs opérations de contrôle sur les gares routières de Saint-Benoît, Sainte-Suzanne, Sainte-Marie et sur les quartiers de Beau-Séjour à Sainte-Marie, quartier français, Sainte-Suzanne et aussi au pôle d'échange du parc à Sainte-Marie. Les gendarmes réservistes ont été renforcés par des gendarmes de la compagnie de Saint-Benoît et aussi des agents de sécurité de la Transdev. Hein. Les 44 lignes ont été contrôlées et Banane a fait 13 procès-verbales là pour qu'elle a été dressée contre des infractions. Hein. Voilà, donc sur la route, hein, des procédures délictuelles, donc port d'armes blanches à l'intérieur. Donc voilà un petit peu pour les affaires. Banane fait des contrôles quand même pas mal aussi là ces derniers temps dans les bus. C'est une bonne chose, hein, quand même, hein, parce que il commence à devenir un peu en charrette chavirée ici à La Réunion, hein. Il nous voit un peu en France comment il se passe là dans les bus, comment Banane vient, il attaque les gens, tout ça, pour pas qu'il arrive ici. Remarque, La Réunion, les petits, donc très facile à retrouver ces bonnes des malfrats s'il est là. Donc en France, bah, les plus grands malfrats partout. C'est une bonne chose, au moins va sécuriser. Et puis c'est une chose que les malheureux aussi de voir qu'il faut sécuriser tout ça. Il faut toujours être DIF, il faut toujours avoir la loi DIF pour quand on s'en voyager. Et déjà les bonnes bus c'est tellement plein des fois. Et puis des fois aussi on gagne pas le bus pour le retour quand on s'en va à un endroit. Donc là aussi il amène le stress encore plus encore de dire que peut-être ça fait attaque à ou de dans un bus. Bon, heureusement ces bonnes policiers là et là et ces bonnes personnes là et là pour assurer normalement la sécurité. Hein. Il dit ouais, assurer. Ben quand on a fini aller et comme il dit quand le chat n'est pas là, la souris danse. Hein, donc les pareils pour le cas, hein, quand les Baffin fait les bonnes contrôles, nous a toujours deux trois tigres à tel qui sortent de l'autre côté là-bas, qui arrivent, qui rentrent dedans, qui font le caïd à l'intérieur. Aussi ça nous a aussi, ça y existe aussi. Hein. Que ce soit sur Saint-Pierre, Saint-Denis, Saint-Louis ou ailleurs dans le milieu des villes comme ça là, hein. Partout dans les villes où on a des gars, on a des petits rassemblements de ces bonnes personnes là. Clienta dans un coin là-bas, ils attendent juste pour agresser ou sinon ça ils attendent juste pour aller faire un peu d'autres méfaits et puis revenir. Hein. Bon, et des fois finira là un joint dessus, donc il y a chef aussi qui s'est acquis. Il dit, prouve aux autres camarades que vous êtes capable de faire telle chose, telle manière, au risque de retrouver aux autres en prison. Du côté de Plateau-Caillou, maintenant, nous, ça va là-bas avec un trentenaire qui dessote la vie après avoir été poignardé. Un boug de 36 ans poignardé pendant la nuit et un autre blessé, tandis que l'auteur l'est en fuite. Hein, donc, Plateau-Caillou, hein, voilà, c'est ce que m'avait dit Azote. Un drame de l'autre côté là-bas, c'est un boug de 36 ans qui est mort après avoir reçu des coups de couteau. Un autre de 50aine d'années était blessé à la tête et l'enquête y poursuit pour voir l'affaire. Puis, bien sûr, il rappelle Azote, hein, comment il a des informations là-dessus. C'est sans problème, ils ont dit suivez nous le matin à 6h, midi donne à Zot ça, et puis à 23h, bon, la rediffusion, ça l'a raté le matin, et puis ils ont sur les réseaux sociaux, là, ils ont un petit peu suivre le causer la réunion à n'importe quelle heure de la journée, parce que les en replay, t'es là-bas. Et là, nous va aller un petit coup là du côté du Québec.
avec une personne comme un Lucio Journal, si je ne me trompe pas sur les infos, hein, c'est ça, avec Laura Bénard qui voit l'hiver s'abattre sur son parcours professionnel. Partie en études au Québec, là-bas, il y a 14 ans, Laura Bénard est revenue avec sa famille sur son île natale. Il a une formation, une expérience qui intéresse plus d'un recruteur sur l'île et il peut pourtant pas travailler pour la raison d'équivalence de diplôme. C'est-à-dire qu'entre le Québec et la France, les diplômes n'est pas pareil. Hein. Donc un diplôme québécois, normalement, n'a pas une valeur vraiment trop de valeur sur la Réunion, sur le territoire français. Et donc Banadio, c'est un comble pour elle qu'elle était partie formelle grâce à un dispositif régional. Ben, c'est la région. On rappelle Azote, à un certain moment, Banadio disait il fallait faire forme Azote avec le Québec. Tu viens ici, les personnes qui étaient sortes de côté du Québec, là-bas, t'es là en déplacement ici, la Nitrabane jeune là, la emmène Azote de l'autre côté là-bas pour mettre en Azote monts et merveilles et toutes sortes de qualités affaires. Mais ce que l'a pas dit Azote, c'est que bon, ben, le bon diplôme n'a pas une valeur ici en France. Donc tout le peu parti forme Azote, n'est un peu parti comme graphiste, n'est un peu parti fait. Ben, par contre, au Québec, ben, elle est très très fort là-bas dans les formations, parce qu'on a des très bonnes formations que l'a pas en France. Par exemple, des formations des gens qui font du graphisme, là, on en a quand même pas mal au Québec, mais le diplôme, apparemment, n'a pas l'équivalence pour la France. Apparemment, comme pour les infirmières, comme pour les médecins, comme quoi que ce soit, ben, quand on a fini fait ou de bonnes études de l'autre côté là-bas, on n'a pas le droit d'exercer en France. Ce qu'il faut, c'est que repasser ou de bonnes examens. C'est assez compliqué, hein. Si on finit fait 2-3 années, il faut revenir. Voilà. Donc là, voilà encore une affaire encore depuis ça. Il y a appel à où déplacement en masse des personnes pour dire que Zola trouve travail, fait baisser le chômage, fait ici, fait là-bas, fait rappel. Mais les gens quand ils disent bon, nous ça au Québec, les l'autre côté là-bas, nous descendent là-bas, nous ça sur le territoire des États-Unis là-bas. La formation est forcément bon, les machins forcément bon, les bons. Hein, donc les formations, hein, on va dire au contraire. Mais le problème, c'est le problème de diplôme. Le problème, quand on arrive ici, dire, c'est comme si là, les repas ou les médecins, imaginons qu'on a fait des années là-bas, ben, où arrive, où vous pouvez passer, ben, on retrouve comme infirmière, donc, infirmier. Donc, c'est un peu compliqué. Bon, et ben, Nadio, comme ça, à cet emponaise-là, il regrette son affaire, hein, parce que, bon, ben, maintenant, Nadio, comme ça, il a parti sans retour professionnel. Donc, c'est ça, les compliqués. Après, quand il retourne d'autres pays où on aura travail, ben, là, les affaires. Mais, je crois que Ben avait dit ça, à l'époque, dans la région, quand on envoie Ben là-bas, c'est là, il date un bon moment, là, quelques années de ça, là, quasiment, un petit peu, pendant la mandature de Paul Vergès et puis un peu pendant Didier Robert aussi que avait fait ça, si je ne me trompe pas. Et tu vois que avec l'envoi Azote, elle décroche la lune sans pouvoir ramener la lune. Hein. D'ailleurs, il est compliqué de ramener la Lune sur la Terre. Hein, allez, nous est parti en Ukraine avec que l'a annoncé ce dimanche la mise en arrêt du sixième et dernier réacteur en fonctionnement de la centrale nucléaire Zaporizhzhia, donc dans le sud du pays, plus grande d'Europe, occupée par les forces russes. C'est pour renforcer les mesures de sécurité. Aujourd'hui, c'est-à-dire le 11 septembre, c'est-à-dire hier, pendant la nuit, entre 3h40, il est précis, hein, 3h40, et une heure, soit 1h41 là en temps universel, l'unité numéro 6 de la centrale a été déconnectée au réseau électrique, ce qui annonce dans un communiqué l'opérateur ukrainien Enea Joatom. Donc des préparatifs sont en cours pour son refroidissement. Le sixième et dernier réacteur là, depuis 3 jours, il est le seul à produire l'électricité nécessaire au refroidissement du combustible et la sécurité du site par la décision de mettre l'arrêt ces affaires-là, hein, en approvisionnement électrique extérieur du site. Hein. Voilà un petit peu les affaires. Donc, d'après ce que Manaï dit là, on a un peu fait peu de monde là-dessus. Il faut bien regarder l'information, les informations qu'on a. Quand on regarde sur la guerre d'Ukraine, là, surtout, hein, dans les pays, hein, on a des fausses informations, on a des journaux, les spécialisés peuvent donner des fausses informations. Ben, ça fait partie du pouvoir, ben, ça annonce ou n'importe quoi. Et ben, apparemment, c'est assez compliqué, cette histoire d'arrêt de la centrale nucléaire, malgré l'arrêt de la centrale nucléaire, et tant que les Russes et les Ukrainiens ne trouvent pas un accord, je ne pense pas qu'on va trouver un accord, ils sont en train de foutre la guerre entre eux autres là-bas, en train de faire péter toutes les affaires. Tant que il dit, comme ça, bon, les réacteurs, même éteints, les réacteurs, le cœur est encore chaud, il faut refroidir, et ben là, on a des unités de diesel qui tournent 24 heures sur 24, quelques mois encore pour refroidir ces affaires-là, avant de retirer les bonnes barres d'uranium à l'intérieur, et qui fait fonctionner le nucléaire, parce que ces bonnes barres-là, il faut attendre la sécurité, il faut
pour que les Russes ils dégagent de la centrale nucléaire, ou sinon ça, ils trouvent un accord pour enlever ça. Mais si jamais quand on l'entraîne enlève ces bonnes affaires là, Nengue il pète, ben la fait il pète à l'intérieur, de moula fait les bonnes l'armée là l'a tiré dessus pour accuser tes autres camarades, l'a fait la palisse à moins ça l'a fait là, donc il risque d'irradier une bonne partie de l'Europe, donc là c'est compliqué. La situation est, quand il y a une bonne partie de l'Europe irradie là, ben nous faut faire attention aussi pour nous aussi, parce que nous on a des courants d'air qui traversent dans les airs, qui atterrissent ici à La Réunion aussi, et ils peuvent ramener de la radioactivité dans notre pays. Hein. C'est pas parce que ben aller loin de l'autre côté, ben ils touchent pas les autres pays. Hein. Là aussi c'est une affaire, elle est assez dangereux quand même. Hein. Donc cette guerre en Ukraine que l'a eu pour conséquence d'engraisser, me dirait toutes les bonnes gros capitalistes, tout ça là, le CAC 40, tout ça là, de faire augmenter toutes les bonnes produits qui n'a rien à voir avec la guerre de trucs, rien à voir avec la guerre, hein, parce que des fois, il réfléchit comme il fait ce causer là, méditer, pas possible. N'allez pas là-haut, ben l'inflation par rapport à la guerre, les produits là augmenté. Alors tout y augmente avec la guerre. Alors je sais pas, moi, on est là des affaires qui n'a rien à voir avec l'Ukraine, qui sortent en Chine ou qui sortent du côté des Indes là-bas, ou on est là des trucs qui sortent aux États-Unis. Dit bon, ben par rapport à la guerre d'Ukraine, l'inflation, allez paf, il augmente là-dedans. Bon, maintenant, il y a en Grèce, il gagne beaucoup d'argent, mais après, on a bien voir quoi fait. Ah, du coup, là, on va parler de quoi? On va parler de la Confédération Nationale du Logement, la CNL, qui réclame aux bailleurs sociaux le gel des loyers des logements sociaux, là, à partir du 1er janvier 2023, ce qui ajoute à la maîtrise des coûts des charges locatives. Pour faire savoir cette demande, un courrier a été adressé vendredi 9 aux 7 bailleurs sociaux que les concernés, hein, mais aussi au préfet de La Réunion. Cette mesure, elle est demandée suite à l'inflation que y connaît les ménages. Les derniers rencontrent de plus en plus de difficultés au moment de payer leur loyer. Une situation d'autant plus pointée du doigt ce dimanche 11 septembre par la CNL de La Réunion. Alors le gel de loyer, ça, ben, n'aime pas trop ça, ben, les bonnes bailleurs sociaux, là. Donc, ils vont faire construire. Ben, ils construisent même pour construire. T'es, quand on voit ces bonnes politique, il dit, ben oui, nous ça construit tant, on a 2, 3, 4, 5 000 logements les prévus, chaque année il faut construire tout ça, il faut mettre en place, mais les biens de construire, mais on est tout à fait d'accord de construire, il faut à nous des logements, mais quand on voit qu'ils construisent d'un côté et de l'autre côté nous voit des logements, les complètement délabrés, les pas entretenus, c'est franchement c'est des cimetières vivants, ça ne sait quoi, on va aller faire des images en Montazot, voir les cités qui datent depuis des années qu'elle est là, il est impossible de rentrer là-dedans, hein, donc ma présence l'odeur finit à incruster dans les murs et les salles, ils chapent par bout. Dernièrement, nous avons vu des incendies du côté de Moufia, du côté de Saint-Denis. Nous avons vu des immeubles tenus par des étés, là, par des poutres. Après, bon oui, mais c'est bien de machin. Là aussi, il faudrait que les locataires, que les là-dedans, ben, ils savent à la caisse de dépôt et consignation pour s'y atteindre. Ça n'est pas le droit et il ne fait pas n'importe quoi. Hein, ça, la caisse de dépôt et consignation, il fait à condition que vraiment il y a un malaise quelque part et donc vraiment il a été constaté par des huissiers, tout ça là, il a été constaté, ben, à ce moment-là il faut jouer cette carte-là, dépose la caisse de dépôt consignation jusqu'à temps que Bana y arrange, là voilà un petit peu arranger, construire, bâtir, faire tout ce que nous voulons. Et après nous voit tous ces abandons, tous les affaires, comment il est délabré un peu partout. Quand nous regarde un petit peu, par exemple, des personnes d'un certain âge, on a 70 ans, 70, 80 ans, que la fini des sortes la vie. Et quand nous voit l'état des autres cases, que ben a construit des jolies petites cases, la mettre à terre là. Maintenant, quand les bonnes marmailles veulent reprendre pour construire, ils gagnent pas parce qu'il y a des problèmes, soit un problème de différend entre la famille, et soit il y a un problème avec les mairies. Qui veut pas trop donner des permis de construire, ou sinon ça on a des petits agences immobilières là, ils vendent, ils achètent. Voilà un petit peu la parenthèse est fermée là-dessus. On aura bien sûr l'occasion de causer. C'est une affaire d'actualité. Et c'est tous les jours nous entendre parler des logements ici à La Réunion, les manques de logements. Et puis nous rappelle aussi que La Réunion n'est pas extensible. Hein. La Réunion c'est une île avec pas beaucoup de kilomètres carrés. Hein. C'est compliqué de dire que nous ça fait un Manhattan là-dessus. Donc comme parle Manhattan par rapport aux immeubles qui fait des immeubles de 200-300 étages. Hein, donc voilà. La Turquie qui pourrait tourner vers d'autres pays dont la Russie.
pour avoir des avions de combat si les États-Unis donnent pas lieu les chasseurs F-16 que lui l'a déclaré vendredi 9 septembre, hein, le président turc Recep Tayyip Erdogan, qui multiplie les marques de défiance à l'Occident et à des appels de pied de Moscou, hein, qui dit eh ben, viens chez nous, ok. Membre de l'OTAN, le pays veut renouveler sa flotte, mais le contrat a été gelé par Washington en 2019 après l'achat par Ankara d'un système antimissile russe. Donc ils ont pris des avions américains, ils aussi achètent des systèmes militaires russes anti je sais pas quoi là. Donc ce qui fait que maintenant on va pouvoir tester les deux. Comment il fait le système électronique? Bon voilà. Après ça m'étonnerait que les États-Unis cèdent, parce que quand surtout les États-Unis avec la Russie et aussi la Chine, donc ces deux pays, les États-Unis, bon ben apparemment ça a de problèmes entre les trois, on a de gros problèmes. Alors si vous s'emmaillez avec Zot là-bas, ou là comment, si vous s'emmaillez avec ces mêmes pays là, ou là comment on a fait avec Zot, messieurs, c'est un guerre à part avec Zot, hein, parce que maintenant aux États-Unis, il est assez spécial aussi, hein, maintenant c'est Dieu la guerre, hein, c'est pas autre chose, hein. Allez, la mort d'Elisabeth II, ben les maires qui refusent de mettre le drapeau français en Béarn, dans plusieurs maires des communes françaises qui refusent de mettre justement ce drapeau français en Béarn pour en hommage à la reine Elisabeth. Ils estiment la demande, ils demandent que cette demande qui sorte de la première ministre n'est pas compatible avec la République. Donc c'est le président qui doit dire l'affaire, comment non. Apparemment, ben, la dire ministre, ben, vous ne faites pas partie, vous voulez simplement subalterne, donc il n'y a pas de mandat, nous rien, nous accepte pas. Bon, Elisabeth Borne, voilà, donc ben peut-être c'est un autre Elisabeth aussi, peut-être bien voulu marque le coup, hein, deux Elisabeth. Elle est là et elle n'est plus là. Alors après la mort d'Elisabeth II, Emmanuel Macron avait proposé une mise en berne des drapeaux. Il avait proposé, il a pas dit faut mettre, hein, il a proposé une mise en berne des drapeaux français le jour de l'annonce de son décès, le jour de son van de funérailles. La première ministre Borne l'avait fait ensuite, appuyer la demande. Ben oui, ben si le président finit dire, il passe par derrière, il fait lettre, là-bas il envoie au bas de mer, qui aime pas du tout, certains. Alors la demande n'a pas été du goût de tous les bonnes maires, hein, des bonnes élus. Certains, ils jugent même incompréhensible, en tout cas incompatible avec la République démocratique sans système monarchique, hein, c'est-à-dire les démocratiques, la pointe le système de roi ici, donc dans la France. Et donc voilà, s'il avait un roi ici, comme en Belgique, un affaire comme bon, on aurait peut-être fait un geste, mais là c'est pas un système monarchique, c'est un système républicain, donc il n'est pas pareil. Plusieurs maires ont exprimé cette opposition sur les bonnes réseaux sociaux là. Affache Tumesnil dans le Nord, le maire de la NUP, Patrick Proissy, a exprimé son refus sur le réseau social Twitter. Ce qu'il lui dit, je n'appliquerai pas l'ordre de madame la première ministre. Voilà, donc et pour aussi lui, ce que lui dit, et toutes les chefs d'État que va descendre la vie, va aller, va mort, il dit non, il dit pas d'accord. Alors notre République, est-ce que la République, cette République là, notre République ferait de la préférence pour des monarques, des chefs d'église, tout ça là? C'est un peu pour dire au comment que si n'est un évêque il mort, ou sinon c'est un cardinal il mort, ou sinon ça le pape il mort, ben on va mettre le drapeau français le drapeau de la France en BN. Donc ben, apparemment c'est bonne, mais elle est pas d'accord du tout, hein. Donc chacun de son business, hein. C'est son pays, c'est à lui de mettre. Et puis c'est des pays, s'il a des pays, il a des rois, je sais pas moi, il a des rois et des reines comme dans l'Afrique, ou sinon ça dans d'autres pays, hein, dans d'autres pays européens, mais ça doit de le faire, hein. Donc en tout le cas, ben, elle est pas d'accord. La santé, ben on va parler aussi de la pollution atmosphérique qui déclenche le cancer du poumon, que voilà, donc il trouve une explication. On a beaucoup d'explications sur le cancer, ces bonnes cancers là. Pour la première fois, les scientifiques là-bas du côté de l'Angleterre, elle a compris comment la pollution de l'air il déclenche le cancer dans le corps humain, d'après des travaux sur ce cancer, qui est lié à une mutation de la gène EGFR. Voilà, la gène EGFR, c'est un gène que dans le corps humain, mais ça pas détail à ça, quand il s'agit des gènes, hein, donc c'est un peu comme comme on est un gène, un chromosome, ou un affaire comme ça, un train comme là. Bon, ça pas de détail trop là-dessus, parce que c'est un chapitre pour le truc là. On est un peu contredit, un peu dire où les bons, un dieu pas bon, un coup ça il vient de là, il vient là. En tous les cas, la pollution, ben ça n'est pas bon du tout pour le corps humain, et nous les de plus en plus se confronter justement à cette pollution là, hein. La pollution, pas simplement avec le gaz d'échappement, le machin, avec tout, hein, avec tout ce qui produit
qui roulent par exemple, même les voitures électriques qui font de la pollution. Hein, mais attention, inquiète pas, demain on va peut-être parler de ça. Pollution, pourquoi? Ben par rapport à les batteries qui sont fabriquées dans des pays qui respectent pas, qui carbonisent la planète. Après, nous on a aussi, pour charger une batterie électrique, il faut de l'électricité, et pour fournir de l'électricité, il faut utiliser de l'énergie, et l'énergie sort tout ça. Pareil, c'est pas que l'énergie solaire que vous allez faire fonctionner les centrales thermiques ou les centrales électriques. Hein, donc voilà. Nous allons reparler peut-être un petit peu plus tard. Il est déjà presque 24. Le temps il passe vite. Hein, nous voulons parler des dents, tout ça là. On va parler d'ici demain. Alors nous les partis avec Gramoun, Cosmo Gramoun là, Cosmo Gramoun tourne. Avant de causer, il faut tourner cette faute langue de bouche. Hein, voilà. Donc ça c'est Gramoun l'a dit. Nous va aller sur la météo d'aujourd'hui. La Réunion, on est un beau temps ce matin. Peut-être des nuages dans l'après-midi. Peut-être aussi de la pluie quelque part dans l'Est. Ou sinon ça va être la plaine des Palmistes comme d'habitude. Et puis Mayotte, nous on a des risques de pluie, les problèmes, des nuages le matin, plutôt beau temps quand même de l'autre côté là-bas. Hein. Et puis à l'île Maurice, si nous sommes du côté de l'île Sœur, vous êtes issus à nous là-bas, tiens, bon arrêt pas Maurice, il fait beau à Maurice, avec quand même quelques petits nuages, je me dirais, par-ci, par-là. Allez, ce causé la réunion a fini, m'y remercie à toutes d'avoir suivi ça, moi m'y donne à notre rendez-vous, normalement demain matin à partir de 6h. Tiens, bon arrêt pas, bonne journée à Zot, à l'écoute des programmes de Télé Créole.